congolaise congolais. C'est très clair pour la contractualisation. Suivante. De nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une volonté. Avoir fait au moins 4 postes primaires. Être physique et mental. Être précédent judiciaire. Bien réclamer les camps. Force aérienne de la de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a officiellement pris ses nouvelles fonctions mercredi 29 mars 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée en l'amphithéâtre Tchandjou du Collège de hautes études des stratégies de défense Tchèze dans la commune de Gombe. Cette brève cérémonie a commencé par la présentation au nouvel animateur de la Défense nationale, des membres du haut commandement militaire ainsi que d'autres officiers généraux et supérieurs responsables des grandes unités de FARDC. Dans un bref discours prononcé pour la circonstance, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est venu pérenniser l'action du chef de l'État, s'est dit être conscient de plusieurs actions menées par son prédécesseur pour le rétablissement de la paix. Tout de même, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a indiqué que plusieurs défis restent à relever pour la montée en puissance des FARDC. Il a à cette occasion sollicité l'appui de tous pour la défense de l'intégrité nationale et la restauration de l'autorité de l'État. Je voudrais avant toute chose rendre hommage le plus déférent à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Auparavant, Dr. Gilbert Kakurenga, ministre de la Défense sortant, a souhaité plein succès à son successeur et lui a présenté un bilan de 23 mois de sa gestion à la tête du dit ministère. La signature du procès verbal des remises et reprises s'en est suivie en présence du secrétaire général du gouvernement. La cérémonie s'est clôturée par une séance photo. Rendre le 9e jeu de la francophonie meilleure édition organisée. Comment préparer la sécurité de ce grand événement dans la ville de Kinshasa?
Tel est le thème sur lequel le stratège de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont réfléchi le jeudi 23 mars 2023 dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Ils ont ainsi présenté quelques chemins d'analyse possibles pour la sécurisation avant, pendant et après ces 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'était après les interventions tour à tour du commandant de la 14e région militaire, de représentants du Conseil national de sécurité, de l'état-major de renseignement, de la garde républicaine, du protocole d'état, de la direction générale de migration, de l'agence nationale de renseignement et de l'université de Kinshasa qui ont brièvement parlé chacun dans son domaine des responsabilités. Dans son mot de clôture de cette table ronde, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général-major Moulande Nawej Godefroy, a remercié les intervenants pour avoir répondu à son invitation. Il a également exprimé sa satisfaction pour le travail abattu de part et d'autre avant de déclarer close la table ronde. Distinguer ses unités, chers experts, par vos titres qualités, tout votre observation, au nom de l'école de guerre, je tiens à vous signifier notre satisfaction et que les objectifs poursuivis par notre table ronde ont été atteints. Le souhait était que nous puissions remettre les actes de ces tables rondes. J'espère qu'on préférait qu'on transmette les actes par écrit parce que nous les avons invités par écrit et que les actes de la table ronde leur parviennent par écrit. Voilà pourquoi, associé, je vais dire close la table ronde que nous avons organisée à ce jour. Je vous dis sincèrement merci. L'Institut d'Alère a été présenté le vendredi 24 mars 2023 au commandement général des écoles militaires. Les séminaires organisés à l'intention des 30 officiers de cette structure militaire a été animé par Arsène Mukendi, directeur général adjoint de l'Institut d'Alère. La vision, les missions, les activités et l'agenda ont été passés au peine fin de ces séminaires. L'objectif poursuivi par les organisateurs est de renforcer les capacités des officiers du commandement général des écoles militaires sur la prévention des violations graves des droits des enfants et la lutte contre les recrutements de ces derniers dans les forces et les groupes armés pendant les conflits. Arsène Mukendi, directeur général adjoint de l'Institut d'Alère et animateur principal du séminaire, explique ici les bien fondés de ces séminaires. Vous avez un peu présenté la mission et la vision de l'Institut d'Alère, le cadre du travail de Dallaire, comment est-ce que nous dispensons nos modules, nos réalisations ici en RDC et ce que nous comptons aussi faire durant les 5 prochaines années ici en RDC, dans le cadre toujours des principes de Vancouver. Non, j'ai beaucoup apprécié, nous avons beaucoup apprécié tous les commentaires qui ont été donnés pendant cette journée de réflexion. Il y a eu plusieurs contributions et c'est aussi un devoir pour nous encore de revenir encore avec notre recherche afin de compléter ce qui s'est fait déjà dans les écoles militaires. Nous avons beaucoup apprécié la présence des généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui étaient là pour nous écouter, qui aussi ont donné aussi, ont formulé aussi des commentaires sur la manière dont se font les choses présentement dans les écoles militaires. Donc je pense que dans un avenir prochain, nous allons voir comment travailler ensemble avec le commandement général des écoles militaires. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, aujourd'hui vraiment c'était une journée de réflexion, comme j'ai dit, avec l'état-major CGM. Mais prochainement, nous allons descendre vers la base. Donc ici, je vois les sites militaires que nous avons, les centres d'instruction et entraînement, où nous allons dispenser des modules de formation de base et de formation de formateurs. Parce que ici, pour nous, la mission poursuivie, c'est renforcer l'efficacité opérationnelle des FRDC. Alors, il faut aller sur terrain pour former les militaires qui sont sur terrain. Dans les
souci de renforcer la discipline militaire des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa, le bataillon des prévôtés militaires de la 14e région militaire s'en va en guerre contre les vagabondats des hommes en uniforme pendant les heures de service. Ainsi, des patrouilles nocturnes et diurnes sont organisées et des militaires sans autorisation de sortie sont interpellés. Plusieurs récalcitrants ont été interceptés en plein vagabondage dans la commune d'Ingaliema. Ces derniers ont été acheminés à l'état-major du bataillon police militaire. Après audition, ils ont été mis en détention. Le colonel Moutetéke, commandant bataillon de la police militaire, s'inquiète du nombre croissant des militaires en divagation pendant les heures de service à Kinshasa. Il les a appelés ainsi au respect du règlement militaire. Des missions de la PEM, de faire ce qu'on appelle appui PC. Nous sommes en train d'appuyer la police pour régulariser la circulation. Et aussi, nous sommes en train d'interpeller en même temps les chauffeurs qui ne se conforment pas à ce qu'on appelle le règlement de la route. Donc, tous les chauffeurs doivent respecter le code de la route, qui est un règlement mis à leur charge pour qu'ils le respectent. Et vous savez que plusieurs chauffeurs abusent de la route, le véhicule, pour larguer la police nationale. C'est pour cela que nous sommes venus en appui pour essayer de remettre en ordre tout ce qui se passe comme désordre sur la circulation routière. L'avenue Ngouma est une avenue toujours qui pose des problèmes. Nous remarquons que les chauffeurs utilisent toujours ce qu'on appelle deuxième bande. Les chauffeurs, ils ont des défauts de charge, ils laissent les portières ouvertes, les clients sont insécurisés, ça importe peu. C'est notre mission de routine, interpeller les militaires qui vagabondent, qui n'ont pas de documents sur eux, les autorisations de déplacement. Nous les interpellons. En collaboration avec la police nationale congolaise, le commandant du bataillon de la police militaire et ses éléments ont appuyé la police pour la circulation routière dans certaines artères de la ville, province de Kinshasa, et sensibiliser les chauffeurs au respect du code de la route. Tout est bien qui finit bien. Le mois de mars dédié à la femme s'est clôturé à l'état-major de la 14e région militaire lundi 27 mars 2023 par une cérémonie de remise de la coupe remportée par l'équipe des Zangos de cette unité à leur commandant qui est en même temps président de la Ligue Omnisport Militaire, le général-major Stazin Kizimou. Ce trophée a été remporté à l'issue du tournoi organisé par la Fédération du Sport, des Travail et Loisirs, Corporation de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des réunions de l'état-major de la 14e région militaire en présence de deux adjoints, du chef d'état-major et du directeur des opérations de la 14e région militaire. Voici la déclaration de la présidente de l'équipe. Et ça est bien que oui, na côté qui bah maman a appelé na quoi. Tombe mal quand autre pour que tombe mes lignes entre tombe entre la civile, lignes entre côté na la troisième région militaire. Toujours qui commis comme un corps, âme, esprit, que toute solidité, tout de se voir vite. On tombe mes lignes ensemble. À son tour, le commandant 14e région militaire a encouragé les athlètes à ramener d'autres trophées. Nous avons battu les SM. Et là, qui est-ce que vous avez mis sur la Bolingo? Banjo, tu es à Kolongono. Parce que ceux qui m'ont assommé, la Kobe Tanzangote. Moi, de la femme, il y a le Bosso. Bon, on aurait mis na de l'Okoro. Sport, et Zalikis, il y a un autre. Sport ezali eloko ya mutuwa. Na nalingi siko toke ne musika. Le loto ziko pia a. To lingi siko jour ba koloba. Non ezali na ce qui est terminé et kosenda baba ya pe ya bilobokende. Bokokende. Ona ibike.
C'est pour la troisième fois successive que l'équipe de Nzango de la 14e région militaire remporte la Coupe du mois de mars. D'abord, nous sommes au mois de la femme. Et c'est pendant ce mois de la femme que finalement une coupe m'est arrivée. Alors, avoir une coupe, c'est une fierté. Je l'ai dit pour trois raisons. D'abord, ça dénote un bon encadrement. Puis, ça honore, n'est-ce pas, le staff. Mais aussi, ça montre qu'il y a une bonne organisation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Je suis un homme heureux. Un souci permanent de voir mes filles aller de l'avant. Je voudrais que la 14e région militaire ait une équipe exemplaire dans toute la garnison et pourquoi pas dans la République, à travers toute la République. Pourquoi? Parce que plus on les encadre, plus elles s'entraînent, n'est-ce pas? Plus elles deviennent performantes. Et quand elles deviennent performantes, c'est pour gagner d'autres coups. Donc j'attends d'elles plusieurs coupes tant que je serai encore à la 14e région militaire. Les partis civils ont présenté leur plaidoirie devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe lundi 20 mars 2023 dans l'affaire d'assassinat de l'homme d'affaires Simba Nguesayo Victor commis en 2021 à Goma. Les partis civils Muriel et Anthony Nguesayo, respectivement compagne et fils de la victime, ont sollicité 10 millions de dollars américains pour le préjudice matériel subi du fait de ce crime. Une autre somme globale de 516 millions de dollars américains a été demandée au titre des dommages et intérêts pour la concession de l'hôtel Caribou appartenant au défunt à Goma. Sur 133 prévenus poursuivis dans cette cause, certains comme le colonel Abi, le major Ferouz, Sier Amani, Moutabazi et Ombeni sont déjà passés aux aveux. Pour les parties civiles, le crime odieux commis par ces prévenus a causé un préjudice énorme à la communauté en général, car M. Simba Nguesayo Victor était associé et administrateur à plusieurs sociétés. Il était également propriétaire de la ferme Kiriba et tenancier d'un grand restaurant à Goma, au nord Kivu. Faute de temps, le ministère public n'a pas présenté ses réquisitions. Il a sollicité et obtenu de la cour des séances une remise au mercredi 22 mars 2023 pour ce faire. À l'occasion de la clôture des mois de mars dédiés à la femme, les épouses des militaires réunies au sein de l'association des épouses des militaires de FARDC AEM ont organisé dimanche 26 mars 2023 une cérémonie marquant la fin des festivités du mois de la femme. Les collèges des hautes études de stratégie et de défense situé dans la commune de Gombe a servi de cadre à cette cérémonie. Au nom de Madame Nathalie Chiwewe, présidente de cette association empêchée, Madame Denise Ishaligonza a présidé cette cérémonie. Celle-ci a connu la participation de Madame le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Saint-Forose, et du point focal Djar au sein de FARDC, le général-major Chechi, commandant logistique. Dans son monde de bienvenue, Madame Denise Ishaligonza, épouse du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations du renseignement, a remercié la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, pour son implication dans la promotion du genre, surtout dans les secteurs de la défense et de sécurité. Elle a aussi invité les membres de l'association à un soutien mutuel pour aboutir à un meilleur avenir de l'association. Ainsi qu'à la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui ne cesse de promouvoir les droits de la femme, car le chemin à parcourir est très long. Et ce n'est qu'en agissant ensemble que nous. Pour sa part, Madame l'épouse du gouverneur militaire de l'Ituri, Madame Louboya, a expliqué le but de cette rencontre. La prise de connaissance des épouses militaires pour booster cette association. Avant toute chose, la veuve du fait lieutenant général Kiaku a exhorté les épouses des militaires d'être des femmes de distinction dans chaque domaine de la vie. Un jour, Élisée passait par Silène.
y avait là une femme de distinction. Il les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La cérémonie s'est clôturée par une soirée dansante. La journée du 8 mars dédiée à la femme n'a pas laissé les femmes du service de communication et d'information de former indifférentes. Qualité de femme, elles se disent fières et heureuses de contribuer à la promotion du genre et de l'égalité du sexe au sein du CIFA. Épanouies à même de rivaliser dans le cadre de l'émulation avec leurs collègues du sexe masculin, les femmes du service de communication et d'information des forces armées font preuve de leur capacité professionnelle pour relever le défi communicationnel du FARDC. Les CIFA étant miroir du FARDC, les femmes journalistes et communicatrices de ces services rivalisent d'ardent pour assurer la visibilité des actions de l'armée, promouvoir son image de marque et renforcer les liens entre la population et son armée. Elles conjuguent d'énormes efforts pour marier les obligations professionnelles à leurs devoirs ménagères. Déjà en tant que militaire, nous sommes formés à se lever très tôt, tous les matins, je quitte mon lit pour m'occuper de mon mari ainsi que des enfants. Une fois à l'école, je fais l'effort d'être ici avant 7 heures, vu qu'on a parade. Déjà à 7 heures, on a parade pour le lever du drapeau. Bon, en tant que professionnel des médias et femme ménagère, gérer les temps surtout à la maison, bon, c'est pas facile, hein, mais... Comme nous sommes sous les drapeaux, je gère mon temps. Parce que tu vas à la maison, tu as des enfants, tu dois s'occuper des enfants. Je sais que peut-être je dois me réveiller très tôt. À la maison, en tant que femme ménagère, je me réveille à 4 heures pour préparer la maison. Laisser les enfants normalement tel qu'il faut, il faut leur laisser quelque chose à manger. Je m'apprête à partir de 4 heures. À 6 heures, je prends le transport pour aller au travail. Par rapport à la manière dont je gère mon temps entre le travail et la maison, ben... Je répartis les tâches parce que c'est pas facile. Comme toutes les autres femmes, c'est pas vraiment facile. Moi, j'arrive à gérer mon temps entre le travail, la maison, le travail ménager. Aux anciennes femmes actives, au CIFA, depuis des décennies s'ajoute la nouvelle génération des journalistes et communicatrices recrutées chaque année et formées à l'Académie militaire de Kamanga, d'où ils reviennent avec le grade de sous-lieutenant. Moi, personnellement, j'ai été recrutée. C'était en 2017. Il y a les gens du service d'information et de communication des forces armées qui étaient venus faire un séminaire en 2015, si je ne me trompe pas. C'était à l'IFASIC et à la fin, ils ont intéressé les finalistes, deuxième du premier cycle. Quand j'ai fini l'humanité, j'ai fait l'université de Kinshasa. Quand j'ai fini là-bas, après je fais les concours. Après les concours, je suis partie à l'IFASIC. En tout cas, j'avais fait les études universitaires, j'ai fait l'IFASIC. Après l'IFASIC, je me suis inscrite au concours de l'EFO. Je suis allée à l'EFO pendant une durée. J'ai fait la session spéciale pendant 9 mois à l'Académie militaire et après, je suis affectée ici. En ces mois de la femme, les CIFA a déployé sur le terrain la junte féminine composée du personnel militaire féminin et du personnel civil. Toutes les journalistes pour couvrir les activités organisées par les structures de l'armée en commençant par la marche de samedi dernier. Celle-ci a eu comme but de sensibiliser les jeunes filles congolaises en général et kinoises en particulier pour s'enrôler massivement dans l'armée.